embrassez sur YouTube et bienvenue sur ce live du lundi 27 juillet à 15h. Nous sommes sur ma chaîne Twitch, slash Cyril Poppy, en compagnie de Miss Glucose et de Flo. Salut les copains! Salut! Salut! Et bien sûr, il y a tout le monde dans le chat, ils sont là, ils sont contents. Ils me demandent si ça va, moi ça va, tranquille. Et vous, ça va? Moi ça va, tranquille, tranquille. On va lancer le jeu du jour. C'est reparti pour les explications. Donc, nous sommes aujourd'hui, pour 3 heures de temps, sur Trove. Je n'ai pas testé si mon micro faisait du bruit. J'espère que non. Ça va. J'espère que non, sinon j'irai... Oula, Flo, j'ai ton nom dans l'écran. Coucou, Flo. Coucou. Flo va jouer avec nous aujourd'hui. Miss Glucose va faire de la modo en vocal. Et nous avons, comme d'habitude sur le chat, Maltunos qui traîne. Donc, soyez sages, les petits. Soyez sages. Aujourd'hui, on fait de la team content, on fait pas de la team chouin-chouin. Et attention, attention à ceux qui font des bêtises, il y aura de la fessée. Oh oui. Oh oui, il y a de la fessée. Les gens aiment bien se prendre des fessées. Alors, nous sommes aujourd'hui sur Trove. Qu'est-ce que c'est que Trove? Trove, c'est un sandbox. Je dirais à mi-chemin entre Cube World et Minecraft, évidemment. Puisque tout ce qui est cubique fait penser à Minecraft, hein, on ne va pas se mentir. Sachant que c'est quand même pas mal axé PVE, qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le jeu, on s'ennuie pas trop. Il est sorti de l'alpha là début juin, ça faisait un peu plus d'un an qu'il était en alpha me semble-t-il. Et donc c'est édité par Glyph. Glyph, c'est les mecs qui font Arcage, Defiance, Rift, ce genre de choses. Vous pouvez y jouer via Steam. C'est un free-to-play, je l'ai déjà dit. Je vais le redire un petit coup, comme ça vous me demanderez pas 400 fois dans le chat. C'est un free-to-play! Oui! Oui, mes bons amis! Et du coup, il coûte combien? Bah, il est gratuit. Oh! C'est magnifique! Mais c'est génial! C'est trop bien! Oui! Aujourd'hui, on va essayer de s'amuser un petit peu, de vous expliquer un petit peu les principes du jeu. Donc là, comme vous le voyez, je reçois des tweets que vous entendez, j'espère pas trop. Voilà. Donc je mute mon téléphone, je le lance sur le lit nonchalamment, vous n'avez rien vu puisque je n'ai toujours pas de facecam, mais ça viendra. Ça viendra. D'ailleurs, petit passage pour que les viewers soient contents, pour ceux qui ont participé, nous avons enfin le 700D. Oui. Si j'ai update le titre du jeu... Si j'ai update, dites-moi dans le chat si vous voyez ou pas, parce que je l'ai update, mais j'espère que ça se voit. Sinon, je vais faire un petit moment où vous allez plus voir le jeu pendant genre 5 secondes parce que le jeu ne se recorde pas. Hop, mettre à jour. Allez, vas-y, mets-toi à jour, ma poule. Si, normalement, c'est bon. Normalement, ça doit être bon. À vous de me dire dans le chat. Là, je l'ai refait. Ça devrait, normalement, ça devrait être bon. Et bienvenue à Mr. Hydecrow qui rejoint la team content en ce jour. En ce jour délicieux. Du je ne sais plus quelle date c'est parce que j'ai jeté mon téléphone. Le 27 juillet toujours. Tout va bien. C'est toujours le 27 juillet, on n'a pas changé de date. Je remets mon layout comme c'est. Hé, hey, Serial DB! Bienvenue! Mets tes pantoufles! Et embarque! Pour cette journée magnifique. Cette journée magnifique où il pleut, où il fait bon, où il fait frais, et ça fait du bien. Si, ça fait du bien. Alors, du coup, j'avais ouvert mon C, vous avez pu voir. Oui, il faut faire F5 pour update, effectivement. Vous avez pu donc voir, effectivement, que il y a, si vous avez finement observé, vous aurez remarqué qu'il y a deux niveaux différents. Vous avez... le niveau général de votre compte, qui est le Mastery Rank, et vous avez le level de classe. Actuellement, je suis sur un Boom Ranger, ce Boom Ranger qui, pour moi, est complètement cheaté. J'adore cette classe. Elle est complètement cheatée. C'est-à-dire que c'est une classe qui peut faire de la mêlée, du distant, et qui a des bombes gratuites. Les bombes! Ah, les bombes! Quel objet magique, la bombe! Dans ce jeu, n'est-ce pas Flo? C'est le minage absolu, là-bas. Disons que vous avez deux phases de jeu. Vous avez la partie
PVE ou voilà là actuellement sur laquelle je suis, c'est-à-dire que je peux attaquer, je peux stun, je peux poser une bombe qui va mettre du temps à péter, et je peux poser une bombe qui pète instantanément, qui fait des dégâts de zone et qui vous donne un bonus au hasard, à vous et à vos camarades. Donc c'est plutôt pratique, sachant que dans ce jeu, il n'y a pas de système de groupe, tout est partagé. À partir du moment où vous êtes dans la même zone qu'un autre personnage joueur, peu importe le personnage joueur, vous recevez de l'XP, vous recevez de la thune, vous recevez les loots. Voilà. Donc ça, je trouve que ça, pour ça, ce jeu est vraiment top, parce que si vous avez envie de jouer tout seul et que ça vous, enfin, ça vous embête un petit peu d'être tout seul, parce que pour Pex, c'est pas top, et que j'ai... Non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru que ça s'affichait quand mes fenêtres Skype s'ouvraient sur le côté et que tout le monde allait voir qu'Alex s'est connecté à Skype. Tout va bien. Vous ne le voyez pas. Et donc il y a la meuf, elle a Alex sur Skype et tout. Bah bien sûr, attends, ouais, j'ai tout le monde, j'ai même Flo, dis donc. C'est un truc de fou. Donc il y a cette phase, il y a cette phase d'attaque de PVE. Bon, je parle de PVE pour l'instant parce que je ne crois pas qu'il y ait de PVP dans le jeu actuellement. Ce qui, on ne sait pas, peut-être que ça changera. Mais actuellement, il n'y a pas de PVP. Donc vous avez cette phase d'attaque et si vous appuyez sur Tab, vous passez en phase de construction. Mon personnage devient transparent. Sur le clic gauche, j'ai la possibilité de poser des blocs. Donc si vous avez finement observé, quand je suis en phase d'attaque, sur la barre du bas de l'écran, vous voyez que j'ai ma jauge de vie, mes différentes attaques, mes potions, mes bombes. Dans le T, vous mettez ce que vous voulez. En général, ce sont les boîtes que vous ramassez sur les mobs ou sur les blocs. Vous avez parfois une chance de drop une petite boîte qui contient des loots. Et sur la droite, ma barre d'énergie qui actuellement est vide. Voilà, ma jauge d'énergie qui actuellement est vide. Si je passe en mode construction, ma barre change et vous voyez que j'ai une ribambelle de blocs à la Minecraft en gros. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un savant mélange, à mes yeux, entre Minecraft et Cube World. Et c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? On fait quoi? On explique tout ou on explique les choses au fur et à mesure en faisant des choses? En faisant des donjons, en faisant ce genre de choses. Moi j'ai bien envie d'aller montrer derrière. Allez, on a... Vous voyez les gros carrés violets dégueulasses, gris violet là? En fait ce sont des emplacements pour votre maison. Alors sachant que ma maison est actuellement en construction et qu'il y a un bloc buggé là, si vous voyez. Moi je le vois. Il y a un bloc buggé. Coucou le bloc buggé! Vous allez voir le petit panneau. Et sur le petit panneau, bam! Vous faites popper votre maison. Ça c'est plutôt cool parce que... Vous pouvez trimballer votre baraque absolument partout. Et que tout ce qui est compris donc, dans ce carré, tout ce qui est compris dans l'area de ce carré, vous appartient. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve en dessous et tout ce qui se trouvera au-dessus est un emplacement où vous pouvez construire ce que vous voulez pour votre maison. Si je vais sur un autre carré là-bas, je peux tout faire repop également. Et disons qu'il y a des gens qui ont des bonnes techniques. Je crois que c'est Musa ou c'est Fox, je sais plus, qui a été très malin et qui en fait a creusé. Moi j'ai creusé à l'intérieur parce que je vais faire une maison en longueur. Mais lui ce qu'il a fait c'est qu'il a carrément creusé tous les bords, ce qui fait qu'il a creusé tout l'intérieur et tous les bords, ce qui fait que quand il se tépait quelque part dans un terrain un terrain d'aventure. Il peut voir directement s'il arrive pas sur des donjons ou s'il arrive pas sur des grottes sympas par le dessous de sa maison. Et c'est plutôt cool. Je trouve ça assez intelligent. Après, vous verrez régulièrement des gens qui ont, eux, déjà bien avancé dans le jeu et qui ont donc des espèces de tremplins pour les ailes, parce que vous pouvez avoir des ailes si vous regardez. Vous avez des emplacements en bas, là. Donc moi, j'ai ma monture. Ça, c'est le costume de mon personnage. Ici, c'est ma canne à pêche. Là, si je l'équipe, normalement je dois l'avoir là. Faut que je le. Gnagnagna, j'ai fait des bêtises. Voilà, j'ai mon mag rider, donc ça c'est pour slider sur des rides. Sur des rails. Slider sur des rides, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Slider sur des rails, pardon. Et vous avez donc le choix de votre bateau et de la voile différente. Vous avez des petites ailes et les tomes. Alors les tomes, je sais pas encore ce que c'est, mais on va le découvrir. Un de ces quatre, on le découvrira. Du fromage. Oui, c'est de la tome. J'aime bien la tome. C'est bon la tome, hein. Franchement, c'est bon la tome. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà. Si vous avez des ailes, vous pouvez utiliser et construire vous-même un petit tremplin. Quand vous êtes avec vos ailes,
Ça vous propulse très très haut dans le ciel et vous pouvez partir de ce fait beaucoup plus loin avec vos ailes. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sur leur maison, ce qui fait qu'ils se servent plus ou moins de leur maison comme tremplin et c'est plutôt cool. Donc là actuellement, voilà, vous pouvez voir que je me suis fait une maison tonneau, digne d'un vrai pirate. Je vais changer de classe rapidement pour que vous puissiez ne pas me voir galérer sur les donjons. Pour l'instant, je n'ai que deux classes. Qu'est-ce que j'ai pris comme classe? J'ai donc pris le Boomranger qui est complètement cheaté, qui est distant ainsi que physique. Donc autant vous dire que c'est une de mes classes favorites pour l'instant, mais étant donné que j'en ai fait que deux, voilà. Le pirate, le Captain Pirate est très utile, je trouve. Il y a plein de gens qui disent que ouais, il fait pas beaucoup de DPS, il est pas top et tout, c'est pas sympa à jouer. C'est vrai que tout seul c'est chiant à jouer. Mais quand vous êtes plusieurs, en fait l'intérêt du pirate c'est pas de faire du DPS, c'est vraiment de faire de la diversion. En fait, vous allez voir, je vais switcher sur le pirate. Le pirate qui a un pop-tart à la place du visage. Magnifique. Et je vais vous montrer un petit peu les attaques du pirate. Voilà, donc j'en profite qu'il y ait un emplacement vide pour vous montrer. Donc les attaques du pirate, c'est... évidemment, comme j'ai pas de jauge d'énergie... Je voulais montrer le leurre, mais évidemment, je ne peux pas le sortir parce que ma jauge d'énergie est vide. Voilà. Donc bon, on a l'ulti du pirate qui est un énorme canon qui tire très fort et qui fait des dégâts de zone. En deuxième attaque de base, on a le petit perroquet, donc que je me balade tranquillou sur l'épaule, qui lui fait des petits dégâts sur les mobs. C'est une tourelle en gros. Ensuite, j'ai évidemment mon coup blanc. Et donc, si vous voyez sur ma barre de sort en bas, le 1, c'est un leurre, c'est-à-dire que c'est un pirate en carton qui sort d'une boîte tel un clown dans une boîte, là, vous voyez, et qui fait coucou aux mobs. Les mobs se concentrent dessus, ce qui fait que mes potes ne prennent pas de dégâts. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment une classe qui est sympa à jouer quand vous êtes plusieurs. Quand vous êtes tout seul, autant prendre une classe qui fait pas mal de dégâts. Pour l'instant, je ne vais vous parler que de ces deux classes, mais si vous avez remarqué, des classes, il y en a quand même un petit paquet. Vous avez évidemment le classique Hunter, vous avez des classes magiques style le Ice Sage et la Fée. Le Dracolite, il me semble que c'est un mage de feu, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, le Ice Sage c'est un mage de glace et le Dracolite est un mage de feu. Le Néon Ninja est assez sympa à jouer à ce qui paraît, mais il prend pas mal de dégâts, donc faire attention. Si vous aimez bien jouer tout ce qui est voleur et compagnie, le Neon Ninja c'est pour vous. Et le Gunslinger, c'est un personnage qui a deux armes à distance et qui du coup doit faire du dégât de port, j'imagine. Le Knight, bah je vous le fais pas dire que c'est un chevalier type chevalier. Et le Candy Barbarian, je ne sais pas ce que c'est. Miss Glucose, non, c'est pas toi qui jouais. J'y ai pas joué beaucoup. À ce qu'on m'a dit, c'est un espèce de mini tank, si j'ai bien compris. Ah oui, d'accord. Et, non, c'est genre et quand on tape, eh ben, y a des bonbons et tout. Et puis voilà. Donc c'est une classe qui a plein de PV et qui fait pas spécialement beaucoup de dégâts, j'imagine. Et qui était faite pour moi. Donc ce qui est sympa également sur ce jeu, bon, bien sûr, hein, c'est un free to play, mais si vous voulez vous payer des trucs, vous pouvez vous payer des trucs. Mais ce qui est sympa, c'est que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sans payer. Et ça, c'est sympa. C'est-à-dire que les classes, par exemple, toutes les classes, si vous avez remarqué, il y a deux types de monnaie dessus. Donc la monnaie, espèce de monnaie arc-en-ciel, là, les qubits arc-en-ciel, c'est de la monnaie payante. Et ces qubits-là, les dorés, ce sont des qubits que vous pouvez gagner vous-même. Comment vous gagnez des qubits classiques ? Simplement, si vous avez remarqué tout à l'heure, je vous ai expliqué les histoires de niveaux. Donc vous avez le niveau de la classe et le mastery rank. À chaque fois que vous prenez du niveau en mastery rank, vous gagnez des qubits. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez gagner des qubits et monter votre niveau... Salut Clé, qui vient d'arriver. Clé qui n'est pas en vocal. Je ne sais pas s'il va venir en vocal ou pas. Si vous voulez gagner facilement bah, des qubits, il suffit de monter là vos quêtes, tout simplement. Vos quêtes qui vous permettent de monter votre mastery rank vous font gagner des qubits, et quand vous gagnez des qubits, et ben vous avez plein de sous, et après vous pouvez aller vous acheter des classes, je crois que certains costumes, non je dis peut-être des bêtises, non les costumes c'est payant, des flasques, les flasques c'est ce qui vous permet d'avoir plus ou moins de PV, de porter plus ou moins de potions sur vous, d'avoir plus ou moins d'effets en fait, des effets quoi.
Vous pouvez vous acheter certaines des montures également sans avoir à débourser des sous, et ça je trouve ça cool. Les montures, vous avez également la possibilité d'en crafter, et ça c'est encore plus cool. Des fois vous les lootez aussi, c'est cool aussi. D'ailleurs vous voyez la maison de Clé là-bas, Clé qui est sur sa monture hot dog, oui. Oui bonjour monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur pourquoi vous ne venez pas sur le test? C'est quoi ça? C'est qui jette des trucs par terre? On devine. C'est toi? Non. C'est quoi, c'est des gâteaux? Oula, c'est des alliés. T'as têché des alliés? Ou c'est normal? Oui, c'est normal que t'aies jeté des alliés? Ramasse les chatons, ok. D'accord. Ok, Clé. Attendez, je vais lui répondre. Tu viens en vocal, vieille canaille? Vieille canaille? Donc, il m'a filé des petits alliés. Donc, comme vous voyez, j'en ai déjà un sur moi qui est une taupe. Une petite taupe qui me sert donc le lasermancie dans ce jeu. Qui est donc la vitesse à laquelle vous creusez, vous récupérez des blocs, etc. En sachant que c'est assez relou. Moi, je trouve ça assez relou, personnellement. Je l'ai déjà, et celui-là, je l'ai pas. Ok. Mais tu m'as donné trop de chatons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous ces chatons? Oh, il est mignon celui-là. Who are you? Yes, je crois que Clé vient d'arriver. Bonjour Clé. Bonjour Clé. Je te rends des chats parce que tu m'en as donné que j'avais déjà. Je te les rends, comme ça tu pourras les vendre à la limite si tu veux. Je ne sais pas s'il va parler. Peut-être qu'il va parler, peut-être qu'il va rester à l'écrit, je ne sais pas. Clé a un micro qui ne fait pas beaucoup de volume. C'était pas français, mais vous m'avez compris. Clé a un micro qui l'embête. Voilà. Vocal écrit, alors. D'accord, la totale. Le vocal écrit, le truc qui ne veut rien dire. Tu m'as donné quoi? Donc, effectivement, cette petite taupe, elle nous fait un bonus sur la récolte de blocs. Après, vous en avez plein qui vous donnent plus ou moins de bonus. Voilà, là, par exemple, tout à l'heure, il m'en a donné un qui me donne un jump en plus. Les jumps, c'est super important dans ce jeu. Les jumps, c'est super important dans ce jeu. En fait, si vous regardez vos statistiques, selon votre stuff, selon vos alliés, selon votre monture, selon selon ce que vous portez sur vous, vous allez avoir un certain nombre de jumps. Et c'est très pratique, surtout... en fait, moi, je m'en sers vraiment de manière stratégique avec les classes que je joue. C'est-à-dire que le pirate, ayant généralement pas beaucoup de résistance, pas beaucoup de vie, il se prend pas mal de dégâts dans la tronche assez rapidement. Et pour me sortir des situations un peu délicates, vous voyez, on a un double saut. Et ce double saut, en fait, tant que vous restez appuyé et que vous avez des jumps, vous montez. Là, par exemple, on va compter ensemble, j'ai 11 jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je retombe. Voilà, bon, évidemment, là, je me suis pris un dégât de chute parce que j'avais tout utilisé. Mais si vous montez vachement haut et que vous vous laissez retomber, ah, vous voulez pas vous prendre un dégât de chute, vous utilisez un saut vers la fin, enfin bref. Je pense que à partir du moment où vous allez tester le jeu, vous allez comprendre rapidement comment ça fonctionne. Moi, je propose qu'on aille visiter un petit peu, se faire des donjons, etc. Clé est en train de pêcher. Dans ce jeu, la pêche c'est la vie. Voilà, je le dis. Je le pense. La pêche c'est la vie. La maison là-bas, c'est la maison de Clé. Il a fait un lucky block avec Mario qui saute dessus. Je vais juste passer vite fait dans ma maison. Voilà, pour déconstruire des objets. Donc vous voyez, j'ai des poissons sur moi, je les daise, je vais récupérer des matières premières. Ah oui, alors si certains d'entre vous veulent jouer à ce jeu, ne construisez qu'un seul coffre, ça sert à rien d'en faire plusieurs. Voilà, je me suis fait avoir une fois. J'en ai fait deux, et en fait ils sont liés entre eux, donc ça sert à rien d'avoir plusieurs coffres. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que tout ce qui vous intéresse pas, tout ce qui ne vous sert pas, vous utilisez cette table de craft. Il y a énormément de tables de craft, c'est un petit peu le défaut du jeu pour moi. Je trouve qu'ils auraient pu tout simplement vous faire crafter des onglets. Alors une table de craft et de crafter des onglets. Histoire que tu te perdes pas, parce que quand tu veux crafter un truc en particulier, des fois t'es la main, c'est dans quelle table de craft? C'est dans celle-là? Non, c'est dans celle-là? Non, c'est dans celle-là? Oh, c'est peut-être dans la workbench? Enfin, au final, tu sais plus trop ce que tu fais. Donc voilà, l'intérêt, c'est de connaître un peu par cœur cette table de craft. Voilà, voilà. Oui, GG Clé. Clé, c'est un gros farmer.
Il aime bien ce jeu et du coup il est de toute beauté. Je chevauche un hot dog. Bah je propose qu'on aille au club et puis qu'on se choisisse un petit portail. On va vous faire découvrir les biomes. Si ça veut bien me TP au club, oui, c'est bien. Farmer tout court, c'est bien aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a fait des chemins au club, mais ça me perturbe parce qu'ils sont au-dessus de l'herbe. Alors j'ai envie de les défaire pour les mettre un bloc en dessous. Ça me perturbe trop. Donc voilà, ça c'est le club. En fait, c'est l'équivalent... c'est un peu l'équivalent de la guilde, si vous voulez. Hein ? On va dire ça comme ça, Flo ? Ouais, c'est ça, c'est une guilde avec, du coup on est dans le hall de guilde en quelque sorte. Voilà, donc là vous voyez Flo est en train d'utiliser sa construction, oui. Qui est passée en mode table comme ça là, et puis il fait des petits pouit pouit, comme ça avec son laser, pouit pouit, pouit. Et les garçons de cette guilde, ils ont une vieille manie très très chiante, qui consiste à quand vous êtes en train de pêcher, à vous foutre un petit coup de lasermancie sous les pieds pour vous faire tomber dans la lave ou dans l'eau, ce genre de choses. Bon, en gros voilà, donc ça c'est le coin de guilde, sachant que tout le monde dans la guilde peut construire à cet endroit. Et que comme vous le voyez pour l'instant c'est assez petit. Voilà, je vais sortir mes ailes pour que vous puissiez voir. C'est l'équivalent d'un petit biome. Mais vous avez la possibilité avec une table de craft et un certain nombre de ressources, évidemment, sinon c'est pas drôle, de rajouter des biomes en fait. Donc pour l'instant, on s'en est pas encore servi parce qu'on attend un peu la balle d'Alex, parce que c'est sa team. C'est good en fait. C'est good ? Ouais, oh ouais, vous avez vu. Je tiens juste à signaler que les gens aiment les couleurs de ce jeu. J'aime voilà. Bien aussi, je vous avoue qu'au début, quand Flo m'a dit ouais, on va se mettre sur trop et tout, faut trop que tu joues, tu vas voir, ça va être cool. J'ai été voir des images fixes, et en fait, le problème des images fixes, c'est que la seule chose qu'on remarque quand on regarde des photos ou des screenshots du jeu, c'est que c'est du cel shading, et moi je trouvais ça pas beau, vraiment le cel shading ouais, à la base. Puis la colorimétrie, voilà. Oui, parfois les couleurs se marient pas très bien, je trouve. Enfin, c'est vraiment dans certaines zones, vous allez voir, que les couleurs se marient pas très bien. Mais globalement, quand on y joue et que c'est en mouvement, ça gêne vachement moins, je trouve. C'est vraiment à l'arrêt, quand tu t'arrêtes quelque part, que tu bouges pas et que tu vois ces lignes noires un peu autour de tout, je trouve que ça gâche un peu. Je pense qu'ils auraient pu faire des jeux d'ombre, ça aurait été peut-être un peu moins... Bon voilà, quoi. Oui. Vous avez compris. Mais dans l'ensemble, non, une fois que tu t'y fais, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Alors je vois qu'il y a des gens qui ont réparé avec du verre. Il faudra que je refasse de la dirt. Je remettrai de la dirt. Les casse pas Flo, comme ça je verrai où c'est. Je verrai où il y a besoin d'en remettre. Donc il y a un truc. Pour moi il y a un défaut dans le jeu. Mais en même temps ça force un peu les joueurs à chercher. Donc ça, comment dire, ça rallonge un peu la durée de vie du jeu. C'est que si vous voulez un bloc, par exemple un bloc en particulier, il y a un système de craft pour les blocs. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire un truc tout con, mais si je ramasse la... Oh. Oups, qui a lâché une bombe sur le... Ça, c'est, oui. C'est Flo qui a fait une bêtise. Bon bah c'est bien, tu vas pouvoir illustrer. Disons que, de base, voilà, vous avez... Si je vais dans le B, voilà. Ça c'est mon... Comme vous avez pu remarquer, mon inventaire est en deux parties, les objets de tous les jours et l'inventaire de blocs de construction. Donc si vous avez remarqué en haut, il y a une ligne de blocs qui s'appelle les primals. Les primals, ce sont les couleurs, donc, je vous le donne en mille, les couleurs primaires. Voilà. Donc nous avons le jaune, le rouge, le violet, bon, c'est pas vraiment du primaire, hein, on va se mentir. Oh, les gens qui s'y connaissent un peu en colorimétrie, c'est pas vraiment du primaire, mais enfin, non, c'est pas grave. Pas tout à fait. Voilà, donc du gris, bien sûr, du vert, oui. primaire, du orange, du bleu et du gris. Ça, ce sont leurs couleurs de base. Et à partir de ces blocs-là, vous pouvez construire tous les autres blocs.
C'est-à-dire que si je pète là un bloc du sol, ça va me donner, je crois, du primal orange ou du primal jaune, parce que c'est à partir de ce bloc-là qu'on fait les blocs de dirt. Voilà. Est-ce que j'ai une table craft de blocs? Oui, il est là. Voilà, admettons que je veuille faire du dark green, il me faut un bloc de primal green pour faire un bloc de dark green. Si je veux faire un bloc organique, si je veux faire de la dirt, il va me demander du primal orange, et à partir de là, quand je poserai le bloc de dirt, l'herbe va pousser sur le bloc de dirt. Voilà, si je veux faire de la glace, il me faut du primal blue avec une charde glaciale. Ça, on en parlera plus tard, c'est encore un peu tôt. Et ça fait beaucoup d'informations, tout ça. Donc l'intérêt de la guilde, c'est que on s'est crafté chaque... Enfin, on s'est crafté. Quelqu'un a crafté, puisque moi, perso, j'ai rien fait. Je suis arrivée, tout était déjà là. Donc la guilde a gentiment crafté des portails, ce qui nous évite d'avoir tous des portails chez nous. Voilà. Tu viens dans le hall de guilde, les portails sont là. Pas besoin de crafter 4 milliards de fois les mêmes portails. Je pense que tous les 3, on peut aller faire du U2 ou du U3. Je sais pas. Ouais, on va partir sur du U3, soyons fous. Donc moi, je vais rentrer et les garçons vont se TP sur moi pour la simple et bonne raison que si on rentre tous les 3 dans le portail, on va arriver sur 3 instances différentes. Donc l'intérêt c'est qu'il y en ait un qui se TP sur un biome et que quelqu'un le rejoigne. Si vous regardez, vous avez une liste d'amis, vous avez la possibilité soit de lui chuchoter, soit de le rejoindre. C'est plutôt pratique. Je trouve que c'est plutôt pratique. Plutôt pratique. Flo est arrivé. Flo est arrivé. C'est quoi ta classe là? C'est le mage... C'est Dracolite? C'est ça. D'accord. Et Clay, il est sur le Guns, je crois, le Gunner. Le Gunslinger. Gunslinger? C'est ça, non? Le nom de la classe? Je sais plus. Je ne sais plus. Pas jamais. Alors, on va ouvrir la minimap pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble le jeu. Si vous avez remarqué, là, entre deux biomes, il y a un changement de lumière. Voilà, on arrive sur un biome dragon, draconique, là, ça change d'ambiance. Voilà, si je retourne sur le biome Peaceful Hills... Oh, il fait beau, il fait bon, et je me fais bombarder, dis donc, tu vas arrêter, toi, là-bas. Tu veux bien mourir? Oh, putain, je me fais défourailler. Ça... J'aurais dû recharger, mais... Je suis passé dans une maison juste à côté, en bas. Ouais, tiens, là, il y a une baraque. Quelqu'un qui a une baraque d'installer. Est-ce que cette personne qui a utilisé des blocs primaires pour faire sa maison, du coup, c'est moche. Ah, mais le monsieur, il fait des plantations chez lui. Est-ce que ça pousse? J'ai envie de lui demander. C'est à qui? C'est la maison de qui? On peut pas savoir, ça? Si, on peut savoir en regardant le petit panneau, je crois. Owned by Cropix. Est-ce que vous croyez que Cropix, ces plantes, elles arrivent à pousser dans cette baraque, là? Parce que... Moi, j'arrive pas à les faire pousser, oui, ça m'agace. Oui, ça pousse, ouais. Ok. J'ai fait pousser des blocs de couleurs et ça a fonctionné sans problème. Ok, cool. Bah, je ferai ça. Donc, sur la minimap, pendant que Clay est en train de récolter à la bombe, vous pouvez voir donc qu'il y a différents biomes. Différents biomes que je ne peux pas passer ma souris dessus parce que c'est lié. D'accord. Bon, en gros. Il y a plusieurs univers, je crois qu'il y a le biome Dracolite en marron, le biome Medieval Island, c'est les verts avec les petits arbres, le gris avec des espèces de composants électroniques, c'est les biomes néons, ceux avec les ailes de papillon, c'est le biome fée, vous avez en cactus le biome désert, en bleu le biome océan, qui, je ne vous le cache pas, est mon préféré. Et vous avez évidemment, là je ne crois pas qu'on les voit, si tout en bas à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un tout petit bout de biome neige et un bout de biome candy. Et les biomes candy, c'est cool. Après vous voyez qu'il y a les biomes tournesol en vert foncé cacadois là. Ce biome sert absolument à rien. Enfin, à rien. Il sert pour une chose, si vous faites du jardinage. Voilà, parce qu'en gros, le biome tournesol, c'est un biome peaceful.
Et l'intérêt du biome peaceful, c'est juste de récolter des bulbes. Les bulbes vous servent à crafter toutes les graines possibles et imaginables. Voilà, en gros. Donc là, je propose qu'on se dirige... On va se diriger vers le biome dracolite. On va passer par le biome... Non, mais c'est trop près du... C'est trop près du spawn. Il y a trop de monde qui est passé dans le coin. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille... Je sais pas si vous avez vu les garçons, mais vers le sud-ouest... Enfin, l'ouest-sud-ouest, il y a un parchemin. On va vous montrer un peu les différents donjons. Il y a des donjons classiques, qui sont donc les donjons où il y a une tourelle. Là, on va passer à côté d'un qui n'a pas été fait. Je ne sais pas c'est lequel. C'est celui-ci qui n'a pas été fait ? Oui. Donc vous voyez, en haut, j'ai une boussole. Et la boussole m'indique où sont les donjons. Voilà, donc là, actuellement, on est sur un donjon qui n'a pas été fait. On va rentrer dedans. Je ne sais pas si Flo est avec nous, en fait. Ok, Flo a envie de se faire une entrée artisanale. Vas-y, pète tout. La bombe dans ce jeu, quoi, c'est tellement utile. Elle sert à tout. C'est un truc de fou. Là, je vais faire un peu ma fourbe. Je vais la relancer une... Mon ulti. Bonjour messieurs dames. Voilà, regardez. L'intérêt du leurre. Ils vont se diriger sur le leurre. Dites-moi si le son du jeu est trop fort, sinon j'irai le laisser. D'ailleurs vous m'avez pas dit aujourd'hui si les voix de tout le monde ça allait ou pas. Putain mais il m'a encore mis une claquouse. Je me prends des petites claques, c'est qui ça? J'ai glissé c'est chaud. Toi. Ouais. Donc là, on est en train de res flow. Alors, c'est vrai que le res est un peu long, je trouve, des fois. Merci. Non, mais c'était pour montrer, en fait, vu qu'il y avait personne qui était dans le jeu. Voilà. Ouais. C'était un exemple. À savoir, donc, on fait W pour enfourcher sa monture. Avec là, qui fait des petits pièges. Oui. C'est par là? C'est par ici, la suite? Oui, un portail. Alors, le portail, c'est le portail du boss. Donc, vous voyez la petite tour, là? La Cursed Skull. Moi, je vais faire ma connasse, je vais rester en hauteur. Je vais enlever ma monture et je vais mettre en hauteur. Voilà. Donc, cette petite tourelle, là, sert à activer le boss. Si l'un d'entre vous veut l'activer, je suis au taquet. Je suis prête. Je vais balancer un leurre directement pour essayer... De contenir les mobs, ça ne marche pas du tout parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Waouh, ok, les mobs ont one shot de leur. C'est le garçon qui bagarre par là-bas. On va remettre un petit leur. Voilà. Je sors mon outil. Ça boum dans tous les sens. Et bienvenue à LDS underscore Rainbow dans la team content. Installe-toi. On a agrandi le canapé la semaine dernière. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, Dipity Loot, qu'est-ce qu'on a eu? Du légendaire, c'est pas très intéressant, je pense. Non, c'est pas top top. Ça donne du mouvement speed, mais ça me fait perdre beaucoup de santé, sachant que j'en ai déjà pas beaucoup. Et ça me fait perdre aussi du dommage physique, sachant que j'en ai déjà pas beaucoup. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Le portail de sortie. Je crois que Clay est en train de foutre le dawa quelque part. Quelqu'un qui est en train de creuser à la bombe encore. Il refait la déco. Il refait la déco, ouais, voilà. Et ça c'est très sympa je trouve. Alors ils ont fait ce truc qui est vraiment sympa. C'est non seulement sur la minimap, quand un donjon est fait, il y a une grosse croix rouge qui s'ajoute, mais vous aussi. Quand vous arrivez devant un donjon, vous pouvez savoir s'il a été fait ou pas. Déjà, si vous avez remarqué, ici vous avez... Voilà, la petite barre qui tout à l'heure avait une petite tour en vous disant qu'il y avait un donjon dans le coin, maintenant est passée en objectif complété, ce qui vous permet de savoir qu'un donjon a été fait. Si vous êtes observateur, vous verrez aussi qu'il y a des énormes croix rouges, voilà, que Clay est en train de subtilement détruire, genre on n'a rien vu. Et souvent vous voyez le portail de sortie quelque part, donc ça vous permet de ne pas vous aventurer dans un donjon s'il a déjà été clean, ce qui est plutôt bien je trouve. Ah non, il y a quelqu'un qui a fait le donjon parchemin. Bon, tant pis, c'est pas là. On va aller se faire un des gros donjons, là. Il y en a un gros, là-bas. Dans le biome néon. Comme ça, vous allez voir le biome néon, aussi. Je sais pas si les garçons me suivent. J'espère qu'ils me suivent, parce que... Oui. Si je me fais dépop par
par un mob, je vais prendre très très cher. Je vais prendre très très cher. Quelle heure est-il? Je surveille l'heure également. Voilà, ça va 15h36. C'est pas très avancé. J'adore les musiques de ce jeu. Il y en a un qui faisait du spam là? Non, il y a quelqu'un qui... tu n'as pas répondu à sa question, du coup il a fait du chouin-chouin, il a dit et du coup je me casse parce qu'elle stream que pour les dons, voilà. Bah très bien ce monsieur, et j'espère que ce monsieur a été time out ban, que tu t'es fait plaisir sur ses petites fesses. Oui. Ça ne me pose pas de problème. Excusez-moi, hein, je sais que d'habitude je réponds plus au chat, mais là j'essaye d'être concentrée et de vous faire quelque chose de propre. Sachant qu'on est également rediffusé sur YouTube cette fois, j'essaye de rester... j'essaie de pas perdre le fil de ma conversation, vous savez que j'ai quand même ce défaut qui est de souvent m'emmêler les pinceaux dans ce que je suis en train de dire. Juste pour répondre à quelques questions du chat, du coup, dis-moi. Est-ce que... je crois que le club est privé, c'est le club de la Team Click, si je ne c'est me ça. Trompe pas. En fait, de toute façon, peu importe le club, pour rentrer dans un club, il vous faut une invitation. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez toujours demander sur le global à être invité dans un club. Vous pouvez aussi vous-même créer un club. Là, pour l'instant, effectivement, nous sommes sur le club d'Alex. Je ne fais absolument aucun dégât avec cette classe. C'est magnifique, surtout là, en U3. On est en U3, hein. On est bien oui. Rentré en U3, on est rentré. Je ne fais absolument aucun dégât, mais je peux vous montrer qu'il y a quand même un peu de difficulté. Alex, bien sûr. Clé dit, privé pour le moment, il sera ouvert au public une fois qu'il ressemblera plus à rien. Une fois qu'il ressemblera plus à rien. Une fois qu'il sera un peu plus développé et qu'on aura fait un peu ce qu'on veut. Et sinon, est-ce que tu acceptes les demandes d'amis? J'avais... Franchement, au début, oui. Je les acceptais. Et puis... J'ai arrêté pour une simple et bonne raison, c'est que les gens se TP 24 heures sur 24 sur moi et que j'arrive plus à jouer. Voilà. Et que là, actuellement, si j'avais. Enfin, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais que si j'acceptais encore les demandes d'amis, là, sachant que je suis en train de streamer, vous auriez pété un câble de voir toutes les 4 secondes un mec se TP sur moi, me gêner, se mettre dans mon chemin pendant que je construis. Je suis passé dans de l'eau qui fait mal, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait différents types de liquides. Enfin, ça aurait pas été très agréable à streamer et à record si j'avais eu des gens qui se tapaient 24h sur 24 sur ma tronche. D'ailleurs, ils ont pensé à ça dans le jeu, ils ont intégré une commande, c'est le /dnd, et ça permet de bloquer toutes les demandes d'amis et toutes les demandes de TP. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, donc, ouais. On a. Que je dise pas. Attends, j'essaye de compter dans ma tête 4 liquides. Dans le jeu, il y a 4 liquides. Bienvenue à Creeper Aim qui rejoint la team content. Je t'en prie, prends place. Tu peux t'asseoir par terre s'il n'y a plus de place sur les canapés, t'inquiète pas, c'est moelleux. Le sol est moelleux. On est comme ça oui. Chez nous. Vous avez 4 types de liquides. Vous avez cette salope de flotte qui vous met des dégâts, ça s'appelle l'eau des regrets. Voilà, l'eau des regrets vous met des dégâts, c'est sympathique. Nous avons de la lave, on va en voir suffisamment dans les donjons pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Les garçons sont rentrés dans un donjon, je crois, donc on va les suivre. Il y a l'eau normale. Voilà, donc ça là, ce liquide jaune et méchant, c'est de la lave. Et nous avons du chocolat. Dans les lampes candy, non, ne pas atterrir sur les pics. Et bienvenue à Stumpune qui s'est fait lamentablement ban parce qu'il s'est plaint. Oh, je vais mourir! Ah, je vais mourir! Ah, je me fais bum dans les murs, tout va bien. Je crois que Clay est mort. J'ai l'impression. Ah ouais, on est tous un peu morts. Oh bah, rip. Ah bah, je vais mourir aussi, je crois. Clay fait une sieste, ok? Ok, les gars, il fait une sieste. Non, mais ça va être un petit peu compliqué là si vous me laissez pas vous attaquer. Non, non. Ah, d'aille! Mets-toi dans un endroit safe, je TP sur vous comme ça. Attends, je vais me décaler. Calme ta vue. Un coup au calme. Aïe, putain. Ah non, tu m'as pas vu, je suis pas là. Je fuis les robots. Aïe. Ok. Je me fais catapulter. Tout va bien. Skykel _ a rejoint la team content. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Bienvenue dans la famille. Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, je vais te faire les fesses, ok? Ok, j'aime pas trop ça, moi, les gens qui tuent mes potes. Moi, les gens qui tuent mes potes, je leur coupe les couilles.
Il est où Clé? Il s'était pris. Je crois qu'il a raise. Ah, il s'est raise. Bon, on va peut-être l'attendre. On aurait peut-être dû commencer sur une difficulté un peu plus basse. U3, ça pique un peu pour moi. Hein. Oui, ça pique un peu. Moi aussi, ça pique un peu. T'es niveau combien au niveau de ta classe, toi? Moi, ouais, niveau 13. Moi, elle est niveau 18, mais je prends dans la gueule. C'est magnifique. Salut Poppy, comment ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. Snipey qui me dit, tu nous montreras des phases de construction. Oui, bien sûr que je vais montrer des phases de construction. Car tu nous disais que ça te rappelait Cube World et Minecraft, mais pour le moment ça ressemble surtout à Cube World. Oui, t'inquiète pas, je vais vous montrer. Vous avez pu voir déjà que j'ai fait l'extérieur de ma maison. J'aurais dû attendre de le faire en live avec vous, mais j'étais trop pressée. J'avais trop envie de faire quelque chose de sympa. Ah! Pardon. Je viens de perdre mes tympans. J'ai même fait bumper le cul. Je me fais bumper le cul dans la lave. Non, ça suffit, arrête de me mettre des coups de poing. Putain, le robot il me met des coups de gabs quoi, tout va bien. Vous avez un double saut dans le jeu ou plus? Bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, tu as un double saut, voilà. Oui. Mais avec ton stuff. Bon, c'est dans mes stats. Avec ton stuff, avec tes fringues, tes pets, etc., tu peux monter. Je sais pas ce que c'est le maximum. Mais en gros, l'intérêt du jeu, c'est. Oula, j'entends les world boss. Ouh. Vous avez vu les world boss pop sur les copains direct là-bas. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. J'ai déjà plus de potions, c'est la merde. Oh putain. Est-ce que j'arriverai à 13? Est-ce que je vais réussir à 13? Ne pas regarder derrière moi. Oui, il y a Clé qui est en train de faire le coup. Oh, Clé, la solote avant le boss, tout va bien. Allez, meurs. Oui, j'étais donc en train d'expliquer. Failli te foutre dans la lave tout seul. J'étais vraiment en train d'expliquer que voilà, vous pouvez monter un certain nombre de sauts, donc les jumps. Moi pour l'instant j'en ai 11. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est. On peut pas voir ça directement? Si, on peut voir. Quoi donc? Est-ce qu'on peut pas voir les éléments qui me donnent des jumps? Si, alors j'ai mon arme qui m'en donne 8 de base. Mon pet là qui m'en donne 1. Ah, on voit pas les bonus. Alors, dans les stats, tu peux voir le total de sauts. Oui, mais je veux voir ce qui me les donne en fait. Je veux voir ce qui me les donnait. Mon arme m'en donne 8, ok. Mon pet m'en donne 1, ça fait seulement 9. Ils sont où les deux autres? Ils sont où les deux autres? C'est pas une bague ou. Je sais pas. Par contre, les gars, j'ai plus de. Je suis désolée, hein. Je vais faire un truc à. Je vais être intelligente 2 secondes, je vais trouver un emplacement de baraque. Ouais, juste derrière là. Pour refill. Pour refill mes potions. Parce que je peux pas attaquer un donjon sans potions, c'est pas possible. Ça fait trop mal au cul. Voilà. Je vois que Flo a fait la même. Ah oui. Clé était déjà à l'intérieur. Ouais, Clé est restée à l'intérieur. Alors, on va essayer de pas se prendre les pics, pas se prendre la lave, pas se prendre la flotte qui fait mal. Combien peut-on faire de sauts à la suite? Bah, en fait, ça dépend de ton stuff. Moi, là, actuellement, je peux en faire 11, mais je suis déjà montée à 21. Je suis déjà montée jusqu'à 21. Après, combien exactement on peut en faire? Je sais pas vraiment. Il me semble que BXA était monté à 72, je crois. BXA est monté 72. À 72. Ah, BX est monté à 72, d'accord, ok. Je crois bien, ouais. C'est pas mal, hein. 72, t'as pas besoin de tes ailes, quoi. Tu voles. Je m'enfuis pas, je vole, je vous aime. Merci, Yéna, je sais que t'es là, je sais que t'es quelque part. En train de regarder ce live. Mais regardez me faire martyriser. Mais arrête de me botter le cul, enfin, ça suffit. Ça suffit, cette dissidence robotique. Allez, silence robotique.
Stalinisme politique, la douche froide, et moi canons, la destruction de ton nom, amphétamine et autres médecines. Si tu connais pas Indochine, je te parle chinois. Pardon. Aïe! Donc oui, vous... Ah bah d'accord, bah c'est le boss. C'est l'heure du boss! Où il y a un leurre dans la flotte? Venez voir la gentille. Voilà. Ça c'est un truc à plusieurs waves, non? Je pense. C'est pas possible qu'il y ait que ça. Il est où l'autre? Ah, ils sont derrière. Bonjour! Allez, je sors mon ulti. Battez-vous! Battez-vous! Je me suis même pas pris une seule bouboule. Je suis trop contente. Je suis trop fière. J'ai même pas été brûlée. Même pas un tout petit peu. Ah oui, il y a encore une wave. Ok, sinon c'est pas drôle. Oui. Sinon, je sais pas si vous avez déjà parlé du système de loot. Alors les loots sont partagés. Les loots sont partagés, c'est-à-dire que tu ne vois que ce qui t'appartient. Un peu comme dans Diablo. Mais tout le monde loot sur chaque mob. Oui, tout le monde loot sur chaque mob et ce que tu loot est à toi en fait. C'est-à-dire que tu ne vois que ton loot à toi. Tu ne peux pas ninja quelqu'un en fait. Ah, c'est bien. Et c'est vraiment simple. Ce que je peux vous expliquer tout à l'heure, si vous n'êtes pas en groupe, vous vous retrouvez dans la même zone qu'un autre joueur et c'est compté comme si vous étiez déjà en groupe en fait. C'est... Je trouve ça super cool. Un mec qui est à côté de toi, je sais pas, par exemple, on va dire un truc. Tu construis ta baraque sur un emplacement libre. T'es en train de construire et tout, il y a un mec à côté de toi qui récolte des minerais et bah tu vas recevoir autant de minerais que lui parce qu'il est à côté de toi en fait. Tu vas recevoir son XP, tu vas recevoir sa thune, etc. Sachant que dans le jeu il y a 4 monnaies, d'accord. Vous avez vu déjà tout à l'heure, je vous ai montré les monnaies de la boutique. En parallèle des monnaies de la boutique, pour les monnaies entre joueurs, vous avez la glim qui est la monnaie qu'on utilise avec les marchands du jeu, les marchands PNJ. Et vous avez, j'en ai pas sur moi, mais ça ressemble à une espèce de petite étoile jaune, c'est les flux, et les flux c'est la monnaie d'échange avec les joueurs. Voilà. Donc ça fait en tout 4 monnaies. C'est vrai que ça fait beaucoup 4 monnaies quand même. Quand il réfléchit, ça fait quand même pas mal. Ah putain, je me fais bump et en me faisant bumper, je ramène des mobs et c'est la teuf et vous êtes mort. Non ! Ah non, vous êtes mort. Viens sur les vitrines, papy. Les vitrines ? Oui, ah. Je suis en haut là. Oui, d'accord, attends, j'arrive. Et du coup c'est pas mal ce donjon parce que ça permet de voir des échantillons de biomes. On fait ça en musée. Ah oui. Oh c'est sympa. Ouais forcément. Ah, c'est joli ouais. C'est moins cool que les biomes en eux-mêmes, vous allez voir, les biomes en eux-mêmes sont vachement plus jolis que ça. Là ça fait. Ah y'a le candy. Oui y'a le candy là-bas, tout là-bas. Oh. Est-ce que ma vie peut remonter, s'il vous plaît? Non, on nous dit dans le chat qu'il y a un maximum de 8 personnes qui peuvent loot en même temps au même endroit. Donc d'accord. Si vous êtes plus que 8, certains n'auront pas de loot, du coup, ça tombe en random. D'accord. Voilà. Il y a Snipey et Louf qui s'en vont. Au revoir les gens. Au revoir les copains. Mais Louf, elle devait pas être là. Au final, et... elle a réussi à venir un petit peu quand même. Et oui, et là elle va prendre son avion. Clé, on attend Clé ou pas? Je sais pas. Ah non, mais il est là-bas. Putain. Attends Clé, on va 13. On fait un peu les gros lâches, tu peux voir. Je suis une pièce. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas d'attaque vraiment à distance. Moi je les embête un peu là. Sinon tu descends en bas, tu fais le gros dragon et puis tu remontes. Hein. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il tape tellement fort qu'il me one shot quand même. Ah ouais? Merde. Ouais. Elle, c'est cool. Tant que mon ulti est en bas, ça va. Mon ulti est fini. Bon, allez. Il est tout seul! Faites-lui le cul! Ah non, merde, il était pas tout seul! Il avait un pote qui faisait semblant de dormir. Putain. T'es mort, toi? Non, j'ai survécu de peu. Ok, il y en a un de moins déjà. Ah, des fois je fais du kite comme ça sur les boss, mais j'avoue que si on est comme ça sur les mobs de base, c'est un peu... Comment tu m'as envoyé valser? Oh, mais toi t'es mort. Voilà. Flokiag va tomber dans le seul trou.
Le seul trou de la vitre. Non, non. Bah, clé. Bah, clé, il s'est res. Il est parti. Il s'est res. On va l'attendre, il va se taper sur nous. Il y a un maximum. D'accord, donc ça, c'est Stumpounet. Ok. Utilise tes potions. Non, je garde. Là, je les garde un peu pour le boss, mes potions. Je les garde un peu pour le boss. Est-ce que vous pouvez quitter une zone avant de l'avoir fini? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas condamné à mourir. Brioche Geek est arrivé. Brioche Geek s'installe dans son hamac. Clay fait des trous dans les murs pour le rejoindre. C'est bon, hein, c'est bon, tu peux rentrer, c'est là. C'est là. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Ah oui, à 3, c'est déjà plus efficace, hein. Sans déconner. Sans déconner. Vous êtes rentré? Non. Flo est rentré, je crois. Il est pas fait. On est enfermé? Oui. Ah d'accord. Ok. C'est très sympathique. Ah mais il y a des portails de partout. Ok, c'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? C'est il faut trouver le bon portail. Aïe, aïe. Je pense, ouais, apparemment. Aïe, ça suffit. Bon, bah... Il y en a pas un qui a un... Qui a un truc décrit en bas, non? C'est quoi ce donjon de taré? Je sais déjà plus duquel on est arrivé. Clay, il a trouvé la solution. On va tout casser. On va monter, ça devrait être au-dessus. Merde. Je mets des blocs de couleurs devant ceux que j'ai testés. C'est malin. Sinon, il y a un chemin là. Bien, on va voir. Viens, on va voir. Ah! J'ai failli sauter dans le feu. Le feu! Ah, ouh, ah, bonjour. Aïe. Ok, là je vais mourir, hein, sans doute. On va pas se leurrer. On va pas se leurrer. La meuf qui... Alors, c'est pas des TP unidirectionnels en fait. C'est random à chaque fois. Ah, que tu rentres, c'est sympa, ça sert à rien en fait de mettre un peu. Technique de la hache. Technique de gros fou. On a buté un boss là sur le flot. Ah, moi j'étais en train de m'amuser encore dans le portail, c'était rigolo. Un jour on trouvera le bon. Là-bas il y a un petit loot qui traîne. Oh mon dieu, des bébés! Des bébés enfermés! Les portails c'est un piège, ils servent à rien. Ok. Oh, il y a un loot là-bas aussi. Dans le feu. Le feu! Ok, c'est parti. C'est très rose, j'avoue. Ça devrait plaire à Glucose. Ah, bah je vais l'avoir bientôt. Non, tu vas mourir! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors. J'aime bien parce qu'ils ont vraiment à chaque fois fait un espèce de petit parcours dans les donjons. C'est vraiment sympa. Et quand vous êtes vraiment genre 4-5, ça se joue super vite, c'est hyper fluide. Elle est retombée tout en bas. Allez, c'est reparti. J'arrive les copains. Allez, on remonte. Je vais peut-être faire une petite pause dans le record. Donc les gens sur YouTube, on se retrouve la prochaine. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite.